C'est parti. Allez, on va décoller. Ça, c'est toujours un petit moment un petit peu excitant, ça. Démarrer la meule. C'est une caméra. Ouais, j'ai pas ma caméra. Ouais, pas non plus. Le taulier. Bon, mais alors, allez, on va bouffer, tranquillou. C'est parti. Les motos sont prêtes. Pépère, il va arriver. Le GI, il va arriver comme un furieux. Et c'est parti. Ouais, je vais expliquer un peu parce que là, je vais me faire engueuler au bout d'un mois, dis donc. Je le sens, ça. Je sens que je vais me faire engueuler. Ça va mettre une mauvaise ambiance, ça. Alors, attends, putain, merde, ça, c'est le trou. Ok. Ok, avec la quête. Stack, stack. Cours, 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 stache, stache. Le kiki. Voilà. Les gars, oui. On passe par montre. Bon. Oh. Antonio, c'est ça qui est. Ouais, ouais. Et t'as pris mon casque. On va passer par là où j'ai dit. Je pense qu'il y a le mien. Oula, le ton est donné, ça y est. On arrête de rigoler. Mais là on a pris l'essence et là ça commence à gueuler parce qu'il y a du monde qui est arrivé. Ah. Ah, c'est ça, ouais. Bon, moi on a démarré. Nico me dit tiens, c'est bizarre, ton pneu il a l'air un petit peu à plat. Je dis oh, bon, on va faire la pression quand même. 0,4, c'est peu. Ah, donc j'ai peut-être une crevaison. Ça met toujours un petit peu en train avant de partir dans la pampa complète. Ça, c'est toujours un petit coup de pression supplémentaire, c'est pas. Bon, là maintenant, un petit baston général entre motard et puis le gars. Voilà, vas-y, à qui hein. Voilà, parce que là, on bloque tout le monde. Il y a une queue comme au 15 août, quoi. Oh la vache. Bon, bah, écoute. Hein. Thank you.
Bon, mais ça y est, on a Saint-Pons de Thomières après des petites routes d'enfer. Mais bon, ça passe. Heureusement que Nico m'a dit que j'avais que 0,80 parce que là, j'étais même pas assez gonflé pour aller sur le sable. Donc, avec ce qu'on a fait là, j'étais à la merde. Ouais, clairement, j'aurais déjà été comme connard. Voilà, donc là, on va bouffer à Saint-Pons. Comme ça, boire un coup et manger, je pense, parce que du coup, comme on s'est raté sur le, un petit peu sur les. Bonjour. On va. Ça ouais. Savait. Si vous avez des porte-cafes à des positions, si vous voulez mettre les quatre. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est cool ça. Où ça? Il y en a un là, regardez. Ah ouais, et ouais. Un là. Voilà, donc ah si vous voulez, je rapproche votre table, il n'y a pas de souci. Ok, ben merci. Avec plaisir. Ah, mais c'est bon, c'est porte-casque. C'est qu'ils ont l'habitude, quoi. Voilà, donc on va bouffer. Là, on est à. On fait une petite pause. On s'est fait la montée, la descente à un vrai circuit. C'était le top. Un peu plus frais en haut, les éoliennes. C'était royal, putain. Après, j'ai envie de le faire à l'autre sens. Et là, on est au lac. On va boire un coup. Au lac. Et là. Voilà. C'est quand même très sympa. Ouais. Voilà, on va faire ça. Ça va être nickel. Et après. Bon, mais là, on est arrivé après circuit, hein, on peut dire, quasiment. La montée, c'est circuit. Ah ouais. Et là. Là, c'est royal. Ah, c'est. On va se gaver comme des porcs. Ouais, si. Ah, il y a des pécutes, hein. Je crois que la civilisation est passée par là. Mais. J'avais peur qu'on ait pas assez de. Qu'on n'ait pas de quoi allumer le feu. C'est bon? Et le PQ? Bon, au niveau hygiène, on n'est pas bon. Alors, on va aller s'embringuer les meules là-dedans. Putain, mais on va jamais les sortir. Quoi. Ah, ils sont cons, putain. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouais, je vais te reculer, moi. Regarde-moi ça. Ah, c'est beau, là. Là, on est pas mal. Là, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, on est pas mal. Ah, les meules sont là, nous on est là, c'est plat. On sent les chaises ou quoi? Eh ouais! Ah, mais là aussi ça chie! Ah merde, ça chie partout! Eh ouais, tu chies partout, tu chies toujours! Lumière sèche depuis 10 jours, c'est bon! Les motos on les met où du coup? On a vu d'aller monter là! Ah putain, merde, tant de merde! Vas-y, faut passer là, faut passer là, parce que et les tentes là, on peut les foutre oui, là-bas non? On les met derrière, les motos, faut les mettre un peu. On les cache derrière les quêtes là? Pas qu'il y ait les motos. Moi j'aurais envie de dire, je laisse là. Pas exagéré quand même. Et bon, c'est les petites péteuses, que je te dise. Ah ouais, mais là c'est. Et dans les arbres. Ouais, mais comment ils ont fait là-bas? Comment ils ont fait? Bonjour, bonjour, ah, terminé, on est là. Tu sens le bois sec? Tu sens le bois sec ici? Non? Oui, ça filme, oui. C'est humide un peu. Ça fait. Ah, c'est beau là. Putain, j'ai envie de chialer quoi. Tournez-vous, Vincent, viens par ici. Bon, mais là, on est pas mal. Ouais. La table. La vue. Les bécanes. Le petit camping. Et puis le feu discret. Le feu de la Saint-Jean. On entend les pompiers et les flics. Voilà. Donc on va foutre le feu au tente d'abord et puis ça va le faire. Ça va les gars? Salut. C'est bon là. Faire 5 degrés du vent. Ah Nico. Eh, t'es pas bien là? Hein? Pas mal. Eh, il fait 30 degrés aujourd'hui. Mets-toi ça à la tête, 30 degrés. Ah ouais, mais là on n'est pas encore au top. Au niveau organisation, mon Harry est arrivé qui se faisait gorger toute la nuit. Viens là!
Oh putain, le vieillis. Ouais, on va sortir dessus. Là, on sera pas bien compte. Hein, t'es bien là? Ouais, t'es bien. C'est le syndrome du qu'est-ce que je fous là. Bon, mais là, on va se faire un petit café chez nous. Regardez-moi sur le ciel. Je prends l'autoroute. Ouais, ça se lève, regarde. Ouais, ça se lève. Là-bas. Ouais. Ça pète. Tout irait. Bon, bah, allez, c'est parti. On range un peu. Déjà, je sais pas. Non. Enfin, d'ici, non. Moi, je vais regarder un gros 30 degrés, quoi. J'ai dit, c'est bon. 30 degrés, c'est bon. Oui, effectivement, il n'y avait pas plus à se poser. Non, voilà, 30 degrés. Alors, pas spécialement la croix du Mounis, quoi. Ouais, parce que là, pas 30 degrés. Mais là-bas, peut-être, à 30 degrés. Allez. Ben maintenant, on y va, go. Attends. Bon, ben là, ça n'est pas mal, on a la musique, le soleil arrive. Yeah, baby. Oula, je sens que c'est accro. Hein. Ah, ça me part de moi, là. Les démons de la danse. Vas-y, chauffe, Marcel, chauffe. Petit arrêt après un petit souci de capteur de béquille, j'ai pas pu redémarrer. Bon, petite frayeur. Et puis après voilà, on est. Henri, un petit problème d'huile. Ça se fait ou ça pisse? Ça se fait, ça se fait. Ah, c'est Ducati ça. Il y a toujours, toujours une merde quelque part. J'aurais dû te voir merder avec ta béquille. C'est clair. Connard. Bonne ambiance, bonne ambiance dans le groupe. Il est temps que ça arrive. Tant qu'on rentre. Quand ça, fait un cul. Bonne ambiance. Bon, mais voilà, ça y est, je suis rentré. Tout a tenu. Voilà. Tout a tenu là. Ça a pas bougé, nickel. Le téléphone sur le truc pour le guidage, pour le recharger, j'ai pas rechargé une seule fois, nickel. Bon, on est un peu éclaté, surtout qu'à la fin on a pris des petites routes qui tabassent, et moi à la vie de pilote, faut que ça soit quand même assez plat. Puis on s'est quand même fait 280 bornes les deux jours. Là en plus moi j'en ai un peu plus pour rentrer. Et puis les problèmes qu'on a eu, ben moi je suis parti, j'allais partir et puis Nico me dit ton pneu, hop, 0,8 bar, 0,4 bar. Donc là je me suis dit putain, j'espère que j'ai pas crevé, on va voir. Alors donc il l'a vu. Bon, non, ça a tenu, alors je sais pas combien j'ai exactement, mais enfin mon comportement. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas senti du tout que ça. À 0,4 bar normalement j'aurais pu. D'ailleurs. J'ai bouffé le pneu, il se déforme tellement qu'il est allé frotter contre la chaîne et ça a bouffé le pneu. Ça c'est cette espèce de vague là, c'est le pneu qui va contre la chaîne, impressionnant, et je ne l'ai pas senti. Enfin, j'aurais fini par le sentir parce que vu les routes qu'on s'est envoyées, là je l'aurais pas senti, j'aurais senti assez vite je pense. Je me sens peut-être mis une belle même. Donc voilà, un conseil, ne négligez pas si vous partez en road trip. L'entretien, ne dites pas le pneu, bon il fera, l'huile c'est à peu près bon, moi là, j'ai fait la pression des pneus, ouais c'est bon, ça bouge pas, voilà, non, la tension de chaîne, le graissage, l'huile, les pneus, phare, liquide, enfin, voilà, tout l'entretien de base sur un road trip, non, il faut pas hésiter, même si on change le pneu un petit peu plus tôt, voilà, nous, sur deux ou trois road trips, on a déjà eu. Voilà. Et puis j'ai aussi le capteur de béquille qui avec un amas de merde sur la chaîne. Ici. Là. Vous voyez, je sais pas si on voit. Il y avait un amas de merde, de graisse, qui a
qui faisait bugger le contacteur de béquille. Donc je sais plus dans quel coin paumé là-bas, heureusement j'ai vite trouvé, mais je pouvais plus redémarrer. Dès que je passais la première, ça calait forcément. Donc j'ai regardé, j'ai vu sa main de graisse, j'ai viré, ça a marché. Voilà, sinon à part ça on n'a pas eu de soucis et puis c'était top quoi. Au printemps franchement c'est le top, tout est vert. En plus là il fait beau, la température est nickel, donc n'hésitez pas quoi. Voilà, bon ben le prochain c'est le 8 août pour 5 jours, 2000 bornes, donc là ça va pas être la même. Sur ce, tchuss.